Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Ultra Opening, un petit peu spécial car il est lié au premier passage sur l'acte 9, chapitre 1. Donc ça nous permet notamment d'avoir du coup un troisième cristal 7 étoiles à ouvrir. On a eu également pas mal de T6C à ouvrir. Je crois pas qu'on ait beaucoup d'autres choses à ouvrir à cet endroit-là. Mais vous voyez, on a 42-25%, donc ça va être une pluie de T6C. Dans cette vidéo, il y aura également un petit peu de 5 étoiles fit. On va juste pas prendre de 6 étoiles parce que les 6 étoiles, on va garder un petit peu. On va garder tout ça. On a une relique 6 aussi, ça c'est assez rare pour le souligner. Bref, voilà, on va se faire kiffer avec tout ça. Allez, c'est parti, les petites reliques. Je vais aller peut-être récupérer parce qu'on risque d'avoir des petites... Je crois qu'on a des petites récompenses. Wow, ça fait plaisir parce qu'en plus, il manquait... Cette relique-là, il me la manque pour mon ami Spidey. Enfin, pour mon ami Spider-Punk. Donc, on va tout de suite la mettre sur Spider-Punk. Tac, équiper la relique. Et hop, ça fait plaisir. On la montrera plus tard. Mais au moins, on est sûr de lui en avoir mis une. Au moins. Je vais juste. Alors, je ne sais plus si on a quelque chose. Mais on va récupérer les récompenses ici. Il doit y avoir des unités et tout. Deux, trois petits trucs à droite, à gauche. Allez, cristaux. Donc on a notamment des cristaux 7. On a notamment des cristaux 7. Cristaux cavalier ici. J'avais fait un peu de la side quest d'ailleurs. Un petit peu de side quest à droite, à gauche. Ok. On va ouvrir la relique 6. Donc ici, on n'a plus rien. Hein. D'accord. Ah, si, il y a les cristaux de résistance surhumaine. On va les ouvrir. Allez, 8. Médaille du dévouement. Médaille du dévouement. Médaille du dévouement. Médaille du dévouement. Bon, de toute façon, ça va nous permettre, en fait, d'avoir Titania, en gros. Voilà. Bon, on n'aura pas eu Titania, malheureusement. On n'aura pas eu Titania en 7 directement dedans, mais de toute façon, elle est déjà éveillée, la nôtre. Donc, on n'est pas en mode, il nous la faut absolument et tout, genre, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ok, donc, ici, on est good. Éclat 6, on est good. Allez, 5 cristaux 5. Hop, il y a pas mal de 200. Je crois qu'il y a du 200. Ok. Donc on a dit la petite relique qu'on a ici. Petite relique 6. Et Wolverine. Wolverine qui est pas mal éveillé. 40, ça fait plaisir. Ça fait de l'or, c'est très bien. Ici, je crois qu'ici on n'a plus rien à ouvrir. Ah si, on a un petit paragon. Oh, on va tenter. Paragon, on ne sait jamais. Ça peut faire un petit 7. Hein. On ne sait jamais. Un petit 7 qui vient comme ça. Ça mange pas de pain. Allez, dans les cristaux ici, on va avoir des cristaux du jour. On a seulement 2. Ok, un petit T5C qui se complète. Rien de bien méchant. Ça, on récupère. On en a 850. Dès qu'il y aura le prochain gros contenu, on sera pas trop mal, normalement. On sera pas trop mal. Tout ça, on est ok. Ça, on ouvre. 825. Et donc, on va aller, je pense, sur le T6C. Hein. 42 cristaux, 25%. Là, en principe, on va en compléter. Hein. En principe, si on n'en complète pas un de chaque, c'est qu'à un moment, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Écoutez, on en a complété. Donc là, en gros, en tech, on en a 5. On en a 5 virtuoses. On a 4 mystiques. On a 6 sciences. Très bien. On n'a qu'un mutant et on a 6 cosmiques. Donc, mutant, ça va pas être tout de suite qu'on va pouvoir up. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir up du... on va pouvoir up du science. Et ça, c'est très bien. On va pouvoir up du science et du tech. Et moi, j'ai envie de up du science et du tech. Ok. Donc là, l'idée de garder des cristaux 6, c'est pour le prochain fit. Hein. Le prochain fit, là, il y a... ouais, c'est dans 5 jours. Hein, donc, on fera ça. Et petite info, d'ailleurs... les cristaux titans, je vais les garder. Parce qu'en fait, là, le premier pool, Luke Cage ne m'intéresse pas, et Blade non plus. Luke Cage, je l'ai déjà en 6R5, donc ça ne m'intéresse pas de le choper en 6. Blade,
m'en fous un peu. Et je vous avoue que Ironheart, Serpent, bah, il faudrait que je les éveille, et Dust, c'est pareil. Mais en fait, du coup, comme je les ai déjà. En fait, je vous avoue, comme je les ai déjà, je vous avoue que en fait, le pool d'après m'intéresse plus. Disons que le pool d'après m'intéresse plus parce que dedans, il y aura l'éveil potentiellement de Beta Ray Bill, il y aura l'enchanteresse, il y aura comment il s'appelle là, le perso là, récent, Nefaria, l'éveil de Nefaria, et il y aura également potentiellement Shatra. Donc plutôt intéressant. Au-delà de ça, ça peut aussi, il peut aussi avoir des nouveaux champions qui potentiellement vont être rework et quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi il y a l'éveil potentiellement d'arcade aussi. Éveil d'arcade qui sera toujours là. Bon, il y aura toujours Spider-Punk, ça fait un peu chier, je vous avoue. Il y a aussi Nova, Silver Sable et Negasonic. Je vous avoue, en fait, c'est vraiment le pool du milieu qui m'intéresse pas. Le pool du milieu. Parce que, bon, ok, Rodeur, d'accord, ça serait cool, mais je l'ai déjà en 6R6. En fait, derrière Spider-Punk, je l'ai déjà éveillé à 40. Negasonic et Silver Sable, c'est pas les persos qui me hype le plus. Symbiote Suprême Nova, c'est pas les persos que j'attends le plus. Donc, j'avoue que, ouais, je suis pas. Les persos du pool du milieu, m'intéressent pas tant que ça. Bref, on attendra au moins pour enlever ce pool-là, et enfin, le premier pool, le pool où il y a pas mal de persos que je peux éveiller. Et voilà. Allez, 3 persos 6 étoiles. 7 étoiles, pardon. 3 persos 7 étoiles. Sachant qu'il y en a un qui est donné par l'acte 9, hein, parce que j'ai gagné 15 000 éclats. Enfin, j'ai gagné même un peu plus de 15 000 éclats au final. Bref, voilà. Ça m'a permis d'en ouvrir un de plus. Les deux autres, c'était un peu du stocké. Donc, on est parti pour le premier cristal. Et ce premier cristal, on va tomber sur. Ah, l'éveil de Gamora. Très bien, ça. Très, très cool. Très très cool. Il y avait Joe Fixit juste à côté. Joe Fixit, il est beaucoup éveillé déjà. Donc je vous avoue que si on peut. Enfin, ça c'est bien. En vrai, éveiller Gamora, je suis très content. C'était un de mes tout premiers 7 étoiles. Hein. Je l'ai eu vraiment au tout début. Ça fait grave kiffer. Franchement, ça fait grave kiffer. Deuxième cristal. Deuxième cristal. On va tomber sur. Ah ouais! Trop bien! Éveil de Sunspot. Génial ça! Génial! Bah écoutez, ça va peut-être partir sur un petit up de Sunspot, hein. Ça va peut-être partir sur un petit up, hein. Trop bien, génial. En plus, on gagne des éclats titans et en plus, c'est des éveils. Donc c'est trop bien. En plus, des bons éveils, hein, des éveils intéressants, hein, franchement. Des éveils qui m'intéressent de fou, ça. Trop bien. Trop, trop cool. Et dernier cristal. Dernier cristal. On va tomber. Beaucoup de Hulk, hein. Beaucoup de Hulk. Ah ouais, je préfère. Ah, il est déjà éveillé. Ah, je crois qu'il est déjà éveillé. Je crois qu'il est déjà éveillé. Ah ouais, oh, il est bien éveillé déjà. Oh, ça, c'est pas ouf, pardon. Ça, c'est pas ouf. En fait, j'ai vu White Tiger, je me suis dit, oh, White Tiger, ok, c'est R2, mais fais chier. Mais en fait, j'ai vu après War Machine, je me suis dit, ah, je sais pas, lui, s'il est éveillé. Si, si, il est bien, 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 bien éveillé. Écoutez, par contre, l'éveil de Gamora, c'est bien. C'est bien, c'est bien de fou. C'est bien de fou. Là, en gros. Qu'est-ce qu'il me reste à faire en termes de up? En fait, j'ai une gemme. Je crois que j'ai une gemme de. Non, j'ai pas encore de gemme 6R5. Mais je vais avoir une gemme 6R5. Je vais en avoir une. Normalement, j'ai plus rien. J'ai toujours une gemme de up R3, cosmique, une gemme R3 classique. Et donc, si on regarde. Ah oui, j'ai. Ah oui, ça, c'est des pierres 6 étoiles. Non, j'ai plus de up 6R5. Mais en principe, mais je vais en avoir une, je vais en avoir un là-dedans. Bon, ça sera sur la fin, mais je vais quand même en avoir un sur le pack ici. Ah non, c'est une gemme 7R2, pardon. C'est une 7R2 que je vais avoir. C'est une gemme 7R2. Ok. Ah, et ça d'ailleurs, je peux le prendre parce que j'ai beaucoup de Mysterium là. J'ai beaucoup de Mysterium, donc on prend ça, évidemment. Ok. En fait, globalement, là, en 7 étoiles, il va falloir que je up du science et du tech. Il va falloir que je up du science et du tech. Je pense up Mysterio en tech. Je pense up Mysterio, qui est vraiment un bon perso. Et qui m'aiderait beaucoup, je pense. Qui m'aiderait beaucoup. Sinon, bah, il y a. Bon, Lady Deathstrike, le problème, c'est qu'elle est toujours bannie. C'est ça le gros problème. Et en fait, en science, je pense que je vais up. Enfin, c'est même pas je pense, il faut que je up soit Morbus,
soit le comte Nefaria en fait. Soit Morbus, soit le comte Nefaria. Qui sont bon, des persos qui mettent beaucoup de debuffs hein, assez facilement. Notamment Morbus. Donc ouais, je pense que je vais up Morbus. Surtout que j'ai 6 katas là. Donc ouais, je pense que je vais up Morbus. Tech, je vais attendre par contre. Tech, je vais attendre. Mais Morbus, on va le up. Comme ça, très bien. Il n'y a pas de gain de niveau, donc je monterai les niveaux tout plus tard. Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder les dernières vidéos. Vous avez les replays de mes lives hein, sur l'été de souffrance, sur la photon. Vous avez également sur mon acte 9.1. Et qui vont suivre là bientôt. Il y aura notamment bon, il y a la vidéo de GA d'ailleurs, la GA9. Et ce week-end, normalement, il y aura peut-être enfin, il y aura l'été de souffrance, la photon, sur mon 2.0 également. Même si mon 2.0 est un peu en pause, bah, évidemment, il y aura quand même, il y aura quand même ce contenu-là qui sera fait. Et voilà, écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite. Et moi, je vous dis à plus et bonne chance sur vos différents openings. Salut, à plus!